Everybody get into it, let your body feel the music. Come on, you can do it, revolutionize a movement. Hey, salut à tous, c'est Valbeatbox pour une nouvelle vidéo sur Sword, UPREX Sword ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop le titre, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Alors après beaucoup de slash kills, j'ai réussi à revenir. En gros, c'est un petit peu bizarre ce qui est arrivé. C'est m'était déjà arrivé sur notre map et je sais que c'était possible de revenir. Donc j'ai fait à peu près aller un petit quart d'heure où j'ai fait que des slash kills et je suis revenu sur le spawn. Alors le spawn, je l'ai modifié bien sûr avec AMC Edit. J'ai mis en orange pour mieux le voir parce qu'avant j'avais juste creusé à l'intérieur. Donc on pouvait pas voir beaucoup. Et donc là je l'ai mis en orange. Alors c'est pour vous expliquer. Alors quand on spawn, on peut spawner ici, on peut spawner partout dans cette zone. Et donc pour être sûr d'attraper la personne, on va mettre des tripwire, il me semble. Tripwire, oui. Sauf que là j'ai le jeu en français. Et donc je vais casser ces blocs là. En gros là c'est un carré de 20 par 20. En gros, c'est à ce moment là que vous pouvez savoir, c'est vous comptez le nombre de blocs. Là-bas, le carré orange fait 20 par 20 et vous allez casser de deux côtés des blocs comme ça. Hop, hop. Je sais pas si vous entendez le son en double. Hop. Je vais vérifier juste mon micro parce que là ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Vous prenez des crochets, voilà, et du fil. Hop. Par contre, ça va être un petit peu plus chiant. Je sais pas si je vais pouvoir le recouvrir avec MC Edit. Je vais peut-être me mettre en mode normal, comme ça ça chargera pas le tout. Et là vous mettez des tripwire. Pourquoi j'ai cassé et que ça fait un carré de 22 par 20, c'est parce que même si là il y a le fil en gros qui est là, c'est quand vous tombez sur ce bloc là, vous n'êtes pas détecté. Et comme vous êtes obligé de tomber sur ce bloc là, à partir de tous les blocs orange, vous êtes détecté. Vous mettez ça des deux côtés et après vous recouvrez de fil. Comme ça, quand la personne va spawner, on va la TP directement à l'endroit que l'on veut. Et donc, ça nous permet que la personne n'a pas besoin de faire de grandes constructions. On la téléporte directement à l'endroit qu'on veut. Elle voit pas tout ce qui est pas beau. Même si la map, j'aurais pu la faire un petit peu plus clean. Et donc, on se retrouve tout de suite après. Dès que c'est fini, tout ça, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Alors, j'ai mis tout ça. Et là, c'est à ce moment-là qu'on regarde si les tripwire descendent bien. Et là on voit que j'ai tout bien mis, même si là il y en a qui se mettent en haut, il y a plein de fils qui sont en haut, on les voit. Oula, désolé petit lag, même ça se voit pas vraiment et ça change rien du tout en fait. Ça va pas changer la façon dont ça va conduire. Et hop, là vous tombez là-dedans. Donc à ce moment-là, rien de très super. Tout ce qu'il faut c'est casser des blocs derrière. Hop. Le spawn bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le creuser, vous pouvez le mettre en aérien. En gros, là, si je mets des blocs au-dessus de ça, ça va prendre les blocs qui seront les plus hauts du spawn, ce qui est normal. Vous n'allez pas spawner dans une crevasse. Donc, ce sera les blocs les plus hauts qui seront pris en compte. Vous prenez ça, et normalement, alors j'ai juste un doute. Oh. Ah, je vois pas, ça m'énerve. Hop, on va casser ça, et on va regarder. Et si je me lève. Ok, what? Hop, il me semble que c'était un carré plus bas, mais j'ai vraiment un doute, ça m'énerve. Hop, 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 voilà. Je suis un peu bête sur ce coup-là, j'aurais pu le faire avant. Et là, voilà. Alors, c'est pas le bloc plus bas, alors, wow, pas que je tombe. Normalement, c'est le bloc juste pareil. Mais pourquoi il est activé? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, parce que aussi, des items peuvent activer la redstone. Voilà, en gros, là, normalement... Si je mets ça et que je vais dessus, c'est moi qui lag ou ça ne prend pas? Ah ouais, ça prend pas en compte, c'est une... Ah oui, mais c'est normal. Ah, ça m'énerve. Déjà, vous mettez toute votre ligne, comme ça on est tranquille. Sauf qu'il me semble que c'est 15 blocs, la raison. Oui, c'est 15 blocs. Parce que je confonds avec le piston, je crois qu'il y en a un qui est 12. On va juste faire un slash time set day. Et ça, j'en mettrai un automatique aussi. Donc, vous calculez plus ou moins le milieu. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire par là. Là, normalement, si vous bougez partout, ce sera tout le temps activé. Là, on va prendre, on va se give, slash give, arrobas p 137. C'est l'idée du command block. Et là, on va l'enfoncer un petit peu plus bas. On va se mettre en sneak pour pouvoir poser des items. C'est comme quand on met des torches sur les tables de craft ou des trucs comme ça. Alors on va prendre un post-it.
Hop, j'en ai partout sur mon bureau. Moins 192, 7, 1, 4, 7, 2. Hop, voilà. Et là, on va marquer toutes les commandes, les game rule, doom up spawning, spawning false. D'abord, on va TP les personnes, TP @p, il me semble bien, ça fait longtemps. Ouais. Moins 192, 7, 1, 4, 7, 2. Et normalement, si tout est bon, 7, on va mettre 8. Vaut mieux TP les gens un bloc au-dessus pour pas qu'ils soient glitchés dans un bloc. Une fois, j'ai téléchargé une map comme ça et j'étais glitché dans un bloc. J'étais en game mode 0, game mode 2, donc je pouvais rien casser. Je pouvais pas me mettre en game mode 1. Et donc, bah, j'étais bloqué, donc j'ai pas pu tester la map. Et là, vous avez vu, ça a bien marché. Le mode solo, il me semblait plus ou moins fait. Mode 1v1v1v1v1. Je vais chercher toutes les commandes qui me seront utiles, les game rules. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Alors, j'ai juste mis les mobs spawning false. Et quand on tombe là-dedans, tout d'abord, on va être mis en game mode 0 sans repeater. En gros, c'est plus ou moins fait simultanément. Sauf qu'il ne faut pas confondre, bien sûr, que celui-là, cette commande-là est d'abord effectuée et après celle-là. Parce que le problème, c'est que s'il y en a deux qui spawnent directement, je préfère quand même les sentir. En gros, il n'y aura pas de tic de délai, même si là, il y a un petit délai quand on tombe là-dessus. Et après, game rule, do mob spawning false. Et normalement, waouh. Hop, là, je tombe là-dedans et normalement, je suis téléporté. Je suis en game mode 2, ça veut dire que je peux quand même casser des blocs. Slash game mode 1, je suis en game mode 0, je veux dire, donc je peux quand même casser des blocs, ce qui est quand même utile parce que j'ai mis des pioches. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? C'était bah déjà le spawn, c'est réglé. Après, on peut mettre des blocs hein, sur les côtés, mais par exemple ici à 2 de hauteur, mais aucune utilité. La personne maximale pourra spawner là, maximum, et spawnera dans la, en gros dans la, toute la zone orange et la zone maximale. Et donc là, on a optimisé le truc au max. Oula, pour pas que j'arrive plus à parler, pour pas que bah, le plus petit possible, et tout est pris en règle. En gros, là on sait que ça fait moins de 15 blocs normalement. Slash weather clear, on va prendre aussi un petit solar. Et là j'ai viré, bien sûr. Hop, on va prendre ça. Je sais plus combien de blocs c'est, il me semble que c'est 12. Mais c'est pas grave. Ah oui, il faut un inverseur aussi. On va faire ça. Il faut une torche. Torche de redstone. Ça, on peut virer. Ça, on peut virer. Et ça, on peut récupérer. Bah, je l'ai déjà. Ok, bah c'est nickel. Là, il m'en faut plus. Il me semble que c'est au moins 5. Clac, 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 clac. Là, le soleil est où? Ah. Slash time set day. Ok. Donc là, ça veut dire que là, il me faut un de plus, et normalement, c'est ça. Mais je suis pas trop sûr. Non, parce qu'après, il éclaire plus. Ah, c'est chiant. Oui, mais normalement, c'est ça. Hop, et là, on fait time set day. Quand je fais slash time set day. Ouais. Time set day slash time set day day. Ok, slash time set day, c'est bon, c'est réglé. Hop, ouais, il monte. Là, la torche est allumée. Là, la torche est éteinte. Et si je refais un slash time set day, la torche est éteinte, ça refait un slash time set day, mais ça les laisse parce que c'est déjà activé, et donc normalement c'est nickel, même si j'aurais pu le mettre un bloc plus loin. Donc il faut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 c'est plus ou moins le bon, il me semble que c'était même moins. On verra ça tout à l'heure si ça marche bien. Alors déjà il faut remplir les distributeurs et voir si tout marche bien. Il faudra que j'aille encore chercher des idées. Alors on va faire ça, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, on va prendre en or pour aller plus vite. On prend des leviers. Hop, hop. Déjà, on peut virer un gros, un max de trucs. Bien sûr, hein,
Les distributeurs auront pas ce sera pas infini, mais bon, on s'en fiche un petit peu parce que 526 items, c'est déjà pas mal. Parce que je vais pas en mettre plus que ça. Et donc, je vais chercher l'idée tout de suite. Je sais que j'ai oublié quelque chose, je vais mettre quelque chose en plus. Et ah, voilà, une enclume. Hop, et on prend une enclume et on la pose ici. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et donc, voilà, on se retrouve. Je suis allé chercher les idées. Et en fait, tout simplement, bah, c'est ça. Hop, là je vais en prendre pas mal, je vais spammer, pourquoi des leviers, parce que c'est plus rapide que des boutons. Et là je vais en prendre 4, bah en gros je remplis tout mon inventaire. Non, je vais pas remplir tout mon inventaire, un peu moins. Oh, ok, là il y en a beaucoup. Hop, on va faire ça, parce qu'il faut que je prenne des livres, en fait c'est plus rapide. J'avais fait une vidéo en 1.4.7, parce qu'on pouvait, comment ça s'appelle, enchanter des items directement, c'était ça l'avantage, c'est qu'on pouvait enchanter des items taqué par 64, mais maintenant avec les enclumes, on va prendre un petit protection 2 déjà. Protection 2, c'est du général. Hop, et là on va les prendre et on va les jeter devant soi. Et donc on se retrouve tout de suite après que j'ai. Non, même pas. Hop, on va faire ça et on va mettre. Bon, non, même, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Hop, hop, et après on est pareil pour faire ça. Hop, j'espère que le son n'est pas trop fort parce que moi je l'entends bien. Hop, on va baisser un petit peu le son chez moi. Hop, je l'entends toujours. Et donc voilà, je vais faire ça pour pouvoir avoir des casques enchantés. Et après, je vais faire ça sur toutes les armures. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors voilà, tout est fini. Alors je sais pas pourquoi en fait, je viens de réfléchir. J'ai mis autant d'armure parce que la map est utilisable qu'une fois. Et petite rectification à faire. C'est pour ça en fait. Au lieu ah j'aime pas le point, il était mal mis. Ah j'aime pas. Bon là on va faire une petite rectification. On va mettre un spawn point. Pourquoi un spawn point? Spawn point @sp normalement. Tout est bon si je clique sur le bouton. Ok. Le point de résurrection. Et voilà, on va faire ça sur tous. Merde. J'ai pas pris les coordonnées pour les autres, on va me dire. Ah non, j'avais pas fait ça pour les autres. Et bah voilà, il en reste pas mal. Donc voilà, normalement si je me kill, j'espère qu'il n'y aura pas de problème cette fois-ci. Normalement j'ai une save. Voilà, je suis tombé là-bas. Est-ce que j'ai eu mon stuff? Oui, vous voyez, je suis équipé. Et donc j'ai eu mon stuff et je me suis kill. Quel est l'avantage en fait? C'est qu'on va faire un spawn point et après on va mettre un bouton go qui va faire tomber tout le monde dans le vide, et comme ça tout le monde va partir en même temps parce que il sera il tombera là dedans par contre je sais pas quel endroit sur quel slot je suis tombé en fait. Alors je vais juste aller voir vite fait les coordonnées. Voilà l'avantage, comme ça tout le monde commence en même temps. Parce que si là on les TP tout de suite, il y en a qui seront déjà là posés là-bas. Après, il faut que les gens appuient sur les boutons et tout ça. Moins 190. Non. Pardon. Moins 226, 157. 1357. J'ai déjà oublié. 1357, ça doit être le dernier. 1357. Donc. Tout est nickel, j'aurais pas dû en mettre autant, je me suis cassé la tête pour rien, j'ai pris beaucoup de temps à faire ça. On se rend peut-être pas compte, mais c'est vachement long. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis, mais je sais que je suis pas beaucoup. Là déjà, ça c'est fait, c'est déjà une bonne chose. On va récupérer juste les coordonnées pour les autres. Ouh, j'ai cru que j'allais tomber. F3, par contre là j'ai plus de post-it, c'est chiant. Moins 221,7, on va dire 222, allez, 222. Parce que je sais que de toute façon je tombe jamais juste. 8, on va mettre 9. De toute façon, en fait, faut tout le temps mettre, surtout pour le spawn point. Après, sinon, ça fait comme un lit obstrué. Donc, je mettais tout le temps un bloc au-dessus. Et 1385, on va mettre. Hop. Après, on va se kill. Non, d'abord, on va mettre un petit épée, voir si ça marche, blablabla. Et si ça marche pas, bah, c'est chiant. C'est tout. TP. @T, j'ai dit moins 222, 9, 1, 3, 8, 5. Et normalement, si je prends un bouton qui est juste là, hop, et que je le pose, voilà. Et l'avantage, mettez tout le temps des boutons si vous voulez tester vos commandes blocs. Non, ça lag.
What the fuck? Non! Bon, on se retrouve tout de suite. C'est bon, on s'est retrouvé. Là, ça marchait direct hein, du premier coup. J'ai fait un slash kill. Par contre, vous avez vu, j'étais en 21. J'ai dû me tromper en moins 222. Là, par contre, c'est moi qui ai dû me tromper parce que j'ai fait un slash kill. Ça marchait tout de suite. Donc, j'aurais pu rester en vidéo. Aucun problème. Moins 222. Voilà. C'est ça. 9, moins 1, 8. 1, 3, 8, 5. Et on va retester tout ça. Ouais, j'ai eu peur encore. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai été dans ce bloc. Hop. Donc 21. Et si je me décale, c'est lequel celui-là? C'est lequel? Et c'est en négatif. Ça veut dire que je dois mettre 8-4. C'est vraiment chiant ça de téléporter juste dans un tube comme ça. Mais on est obligé. 8-4. 8-4. Et peut-être je vais me décaler encore un petit peu. Oh! Nickel. Ok, là je suis nickel pour celui-là, donc on va mettre un spawn point et on va tester. J'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que normalement j'ai fait une save, mais on sait jamais, parfois les saves ça bug un petit peu. Ça m'était déjà arrivé, c'était sur la map. Je l'avais créé à côté, c'était PVP où tout le monde était invisible. Hein, spawn point @p bidule. Hop, et normalement si je fais un slash kill, normalement j'ai plus mon stuff. Ah si, j'avais mon stuff. Je suis tombé là-dedans, et là j'ai récupéré du stuff. Ok, déjà, c'est lequel? C'est le vert, et normalement je suis bien TP dans le slot vert. Aucun problème. Alors aussi, une différence que j'ai apprise il y a pas longtemps. Les boutons en bois et les boutons en pierre ne font pas la même chose, c'est 10 et 7 il me semble. Donc ça peut changer pour des systèmes où vous voulez qu'il y ait un plus long temps de latence. Vous mettez des boutons en bois, avant moi c'était, je crois que c'est vraiment la déco. Et en plus de court temps de latence, vous mettez des boutons en pierre qui sont de 7 tics et l'autre 10 tics il me semble. Mais je sais vraiment plus. De toute façon ça change rien du tout la couleur parce qu'on est téléporté dans le bon. En gros on saura juste pas sa couleur avant. Par contre, juste envie de refaire un petit test. J'avais pris lequel tout à l'heure. Hop, oui. Ah, ouais, en plus, j'ai le post-it de moins 222. 221, 22. Ouais, en gros, là c'était le vert. Par contre, je préfère slash weather clear. Mais de toute façon, il me semble que j'ai pas. J'aurais même pu mettre un seul slot aussi. Hein. Tout le monde spawn dans le même. Mais il y a moins de problèmes comme ça. Il y a moins de problèmes. Il me semble que celui-là je l'ai pas fait. Et merde. En plus c'est le jaune et c'est le jaune. Ouais ok nickel. Je vais essayer de faire ça, quand même de finir ça pour cet épisode là, même si je sais pas du tout à combien de temps de vidéo, mais je sais que c'est moins de temps que ce que je pense parce que j'ai fait beaucoup d'hors caméra, c'est juste pour ça. Hop. Moins 221, la même chose, 222, 8, et qu'est-ce qui change? 9, on va mettre 1404. J'espère que c'est pas trop long et que c'est pas trop ennuyé. Pour l'instant, 18404. Ok. Et l'autre c'était 222, et lui c'était le bleu, il me semble. Oui, mais ça on s'en fout en fait, la commande qui avance, ça n'a pas marché d'un fois. Bon voilà. @p, normalement ça marche, point de pointe. 226, il me semble bien que c'est le bleu. 200, de toute façon ça sert à rien, c'est pas ça qui compte. J'ai regardé le mauvais. En plus là c'est sûr j'ai pas mon post-it. Et c'est 1357. Oui je sais c'est 1357, mais c'est 1357 aussi. Et normalement c'est bien le dernier. Ouais, à peu près. C'est le dernier, là moi j'ai pris le jaune et donc il me manquera le vert, même si les couleurs ne sont pas bonnes, mais ça on s'en fout. On va faire un petit épée en premier, non, en direct un spawn point. Okay. Ok, normalement il n'y a pas de problème, j'ai enlevé la partie qui était avant, mais on sait jamais, il peut y avoir des problèmes. En gros j'ai juste fait un F12 et donc ça a complètement fait bugger le truc. Et donc j'espère que, parce que ça peut avoir des problèmes après avec YouTube pour le format de l'image en gros, parce que quand je fais une vidéo, normalement je devrais garder tout le temps parce que j'agrandis mon Minecraft, je joue pas en plein écran pour essayer de ramer un petit peu moins.
Donc si je bouge après mon écran, je sais que ça fait des traits noirs parfois sur le côté, donc on voit les séquences, donc c'est pas beau. Donc j'essaye de pas faire ça. Et bon, et donc là c'est spawn.pay -222.9.1.404. Normalement là il n'y a pas de problème, on va prendre... Merde. Ok, bon on s'en fout, on verra celui où il n'y aura pas de bouton. Hop, là normalement si je fais un petit slash kill. Ok, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ok, ok. Ok, bon on se retrouve tout de suite. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis pas sur les bonnes coordonnées, je me suis téléporté. Sauf que là, comme j'ai fait direct un spawn point, là on voit. Je peux pas faire d'autres slash kit pour revenir. Donc c'est nickel, c'était juste 200 blocs en fly, ça marche très bien, c'est rapide. Je suis allé trop vite je pense, j'ai pas mis 222. Bah, ça me rassure tant que c'est pas le bug de la dernière fois là, parce que ça c'est vraiment chiant. Ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé ça, ça m'est arrivé 2-3 fois sur l'autre map mais plus sur cette map là normalement. Ok, j'ai eu peur quand même. Là, je l'ai détruit, je le mets pas sur moi. Hop, spawn point, -222. Slash kill. Alors, normalement, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis téléporté. J'ai mon stuff. C'est nickel. Pourquoi, en fait, aussi, j'ai oublié de le préciser. Pourquoi il y a. Hop. Hop. On va mettre tout ça là-dedans. Ah. Deux tics. C'est parce que un tic, c'est beaucoup trop rapide. Et en gros, le stuff va gicler sur le côté. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé sur la map. Score kill, il me semble. En gros, je voulais faire ça et en fait, j'ai mis un coffre tout bête. Hein. Parce que le stuff, je comprenais pas. Il giclait sur le côté, mais je m'étais cassé la tête. En gros, là, vous mettez juste une. Je sais pas si je l'ai montré. Vous mettez plaque de pression, distributeur juste à côté, comme ça. Pas besoin de circuit de redstone. Moi, je voulais les mettre un bloc au-dessus. Donc, je récupère les circuits, je les faisais monter et tout ça. Beaucoup plus galère pour rien du tout. Alors, F3, 200. 222, c'est lui. Eh merde, 1-4, c'est 1-4-4, lui c'est 1-3-8-5, et lui ça va être, je fais ça pour être toujours en fly, et lui ça va être 1-8-84, j'ai déjà fait celui-là, c'est le rouge alors que j'ai pas fait, ah oui le rouge il me semble pas que je l'ai fait. C'est vraiment bizarre hein, l'ordre comment je l'ai fait. 1-8-95. 1-8-95. Ok. 1-8-95. 1-8-1-3-95 il me semble. Ouais, c'est 1-3-95. Non, c'est pas le dernier. 1-3-95. Voilà. Spawn.p. -222.9.1.8.95. Normalement, s'ils sont bien dans l'alignement, ouais, normalement, on sait jamais. Et là, on fait un petit slash kill. Et là, j'espère que ça va être encore nickel. Ce serait vraiment. Non, mais vous y croyez ça? -222. Non, c'est dans l'autre sens. -222. Et donc, bah voilà, on va refaire encore le petit aller-retour. Je sais pas pourquoi, mais c'est où ma touche est bug, ou c'est moi qui veux aller trop vite, et je prends pas le bien, et bah là, c'est encore la même chose, -222. Heureusement, c'est bon, je suis juste à côté. Ça me rassure déjà que c'est pas les mêmes coordonnées. Ça, je le sais tout de suite, et donc, c'est rassurant. C'est par là-bas. Non, c'est par là. Hop. Je le savais, parce que le bleu, je sais qu'il est plus éloigné, etc. Et hop, j'espère quand même que cette vidéo vous plaît, même s'il y a pas mal de fails. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, qu'on ait fait beaucoup de choses. Il restera peut-être encore une vidéo à faire. Parce que là, la vidéo va se finir après ce petit slash kill. Si tout bien marche, si tout marche bien, on pourrait dire. Oui, c'est bon. Tout a bien marché. J'ai toujours peur un petit peu tant que je vois pas le petit bonhomme respawn. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était valu. Je vais quand même enlever. Inventaire. Hop,
on enlève le F3. Et donc c'était Valbibox, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il me semble que c'est Upag Sword, mais je sais plus si c'est dans l'autre sens, donc Sword Upgrade. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à la partie multi qui devrait plus durer très longtemps, et normalement vous aurez la map dans la description dans la prochaine vidéo, mais ça faut que je le fasse, c'est tout, et ça faudrait que je l'enlève ce panneau. Recommencer en V1 et recommencer équipe de VE. Hop, on va mettre commence. Ah, j'aime pas, ça va pas être symétrique tout ça. Commencer. Bon, on fera ça, tout ça dans la prochaine vidéo. Donc c'était Valbibox, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut à tous.